Salut à tous, c'est Arkane. Aujourd'hui, une vidéo où on va découvrir ensemble la nouvelle version de Hammerman vous attaque. Alors, je suis super content, super pressé aussi de découvrir cette Hammerman vous attaque nouvelle génération. Mais j'ai peur, je vous le dis sincèrement, j'ai peur. Il y a 7 niveaux, je suis pas certain d'arriver au 3ème et de le terminer. Ça me ferait un peu chier, mais bon, après je peux pas faire autrement. C'est aussi ça, le désavantage d'être full attaque. C'est que dès qu'on doit défendre, c'est la merde. Voilà. Donc je préfère le dire, c'est vraiment la merde. J'ai pu découvrir des petits replays chez les collègues dans la Task Force qui ont boosté statut de défense, de vie et d'attaque. Ils y sont pas arrivés. Elles étaient boostées. Ils y sont pas arrivés, les mecs. J'ai aucune statut de défense, aucune statut d'attaque. En bâtiment, hein, je parle. Et bien sûr... les niveaux de mes défenses ne sont pas montés, donc c'est volontaire, je le répète, c'est pas la peine de vous enflammer dans les commentaires en me disant « Ouais, Arkane, t'es nul », c'est tout à fait normal. J'attends d'avoir mes barges niveau 20, une fois que je les ai niveau 20, promis, c'est promis, je m'occupe de mes défenses, mais pour l'instant, elles y sont pas, j'y suis pas du tout. Donc, ce nouveau Hammerman, l'heure de ma vengeance a sonné, dites-moi où trouver votre misérable base, et je l'écraserai, c'est moi qui l'ai écrasé maintenant. Alors, donc flotte Hammerman. Ah, si je dis pas de bêtises, le bateau a peut-être changé. Je sais pas. Bon, bref, on va voir. Donc, récompense de défense réussie. Donc, un petit prototype. Alors, on a déjà des tanks. Voilà, la nouveauté, c'est les tanks et les carbos. Il peut nous attaquer avec ça, le mec. Et en plus de ça, il peut utiliser ses barrages. Voilà, donc là, vous le voyez. Bon, alors, il n'est pas forcément très stratégique parce qu'utiliser un barrage sur un canon... Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent, mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, pour cette première attaque, j'ai laissé ma base telle qu'elle. On va voir si ça passe. Donc, c'est vraiment pas stratégique du tout, parce que mon lance-roquette en premier s'est fait piller par les guerriers. Pour rien du tout, là, j'aurais dû balancer mes mines tout au milieu, ça aurait été super cool, mais bon, je l'ai pas fait. Je pense que ça va passer. On va mettre en x2, histoire que la vidéo ne dure pas 25 minutes. Mais voilà, ce qui me rassure, c'est qu'encore mon super canon derrière, celui qui est ici, n'est pas touché, il n'a pas utilisé de barrage dessus, et ma foi, c'est passé. Donc sur cette première attaque, ça va. Alors, on va continuer, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir monter crescendo, on va pouvoir créer une stratégie, parce qu'avant, l'ancien Hammerman, c'était « Salut, bonjour, je me réveille, il est 7h du matin ». Je mets mon nouveau layout, enfin mon layout spécial Hammerman, il n'utilisait pas de barrage ni rien du tout, c'était très facile. On passait ça, ça durait 5 minutes et vous faites plus rien de la journée. Donc là c'est cool. Alors par contre on va passer niveau 2, donc au niveau 2 je me suis préparé quelques petites défenses qu'on va pouvoir télécharger. Alors juste avant je vais quand même enregistrer au cas où, on sait jamais, faudrait pas que je foire le mien. Hop, télécharger, vas-y mon grand, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qui a bougé? Quelque chose d'intéressant? Ah oui, quelque chose de très intéressant. Hop, on va remettre l'électro-canon. Ici, on va balancer le lance-roquette là, on va échanger cette mine de fer qui ne sert à rien, et hop, tac, et tac. Alors, on va voir ce que ça donne, je vais venir mettre ce petit super canon. Donc voilà, ce sont des layouts déjà préconçus, hein, vous l'avez bien vu. Alors, on a 9 tanks niveau 5, donc déjà, le mec... Il a posé ses castagnettes sur la table. Alors, donc là, lance-flamme en premier avec mitraillette. Électro-canon derrière, enfin l'électro-bombe, ça peut être sympa. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Donc les mines derrière vont se faire fracasser. On n'a toujours pas de grenadiers, donc nos mines vont rester bien sagement où on les a placées. Voilà, parce que vous savez que les grenadiers, à partir du moment où il y a quelque chose devant, ils vont tirer derrière. Et forcément, toutes vos mines que vous avez mis derrière, ben... Voilà, vous les avez plus. Donc, on a toujours nos 3 lance-roquettes. On a toujours mon électro-canon qui n'est que niveau 2. Voilà, parce que j'ai toujours le labo niveau 2, il n'est pas monté. Je crois, si je dis pas de bêtises, les tanks sont niveau 9. Alors, heureusement que mes super mines sont derrière. Parce que ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Alors, je pense que ce Hammerman niveau 2 va passer. Hop, on va accélérer un petit peu. On se met en niveau 2 de vitesse. Voilà, donc ça passe assez rapidement. Voilà, de niveau 2 est passé. Alors, je crois que j'ai vu un replay sur le niveau 3. Ça commence à être sympathique. Alors, je vais juste voir si... Bon, c'est pas grave, j'ai grillé ma carrière, c'est pas grave. Alors, il va... voilà,
C'est celui-ci que je... Ah, on va laisser celui-là. On va voir ce que ça donne. Ah, assez tourné autour du pot, il est temps de passer à l'assaut. Voilà, donc. Toujours pareil, dans l'optique de continuer. Ok. D'accord. Donc là, il y a des médecins. Il y a 9 tanks niveau 7. Alors, je sais pas s'ils étaient niveau 9 tout à l'heure. Je sais plus. Allez, on est des fous. On va voir ce que ça donne. Par contre, vous avez noté, hein. Hammerman, ça coûte beaucoup plus d'argent maintenant parce que c'est 75 000, enfin à mon niveau. Voilà, bon, déjà le mec il m'a tout dégommé au barrage. Oh là 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 là. Ah ouais, donc maintenant il va falloir penser aussi à écarter un petit peu les bases défensives parce que sinon vous prenez cher. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Alors, c'est la première fois, je le fais en live avec vous. J'ai rien vu du tout. À part 2-3 replays des collègues, voilà, j'avais même pas cliqué dessus, je savais même pas ce qu'il allait dire. Je savais pas comment ça allait se passer. Je me doutais que bon, la refonte était pas non plus totale, on pouvait. Ça restait un petit peu dans l'optique de l'ancien Hammerman, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus fun. J'ai eu raison d'être aussi enthousiaste quand j'ai vu que Supercell allait modifier Hammerman. C'est super cool. Je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus rigolo, puis ça me permet de partager aussi avec vous encore plus de choses. C'est super top. C'est super top. Alors, donc là vous avez vu que déjà, il passe beaucoup plus vite. J'ai laissé un électro-bombe. Mon électrobombe plus un lance-roquette derrière parce que je sens que bientôt ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal. On va passer en x2, mais regardez, regardez la vitesse à laquelle les médecins remontent les... Non, mais c'est un truc de malade. Je sais même pas si je vais passer. Je vais accélérer en x4. Je suis pas certain de passer. Et je ne passerai pas. Je ne passerai pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, le niveau 3, déjà, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. C'est cool, mais en même temps voilà, je pensais pas aller beaucoup plus loin, sachant que j'ai pas de statut de défense ni d'attaque au niveau de mes bâtiments. Voilà, j'ai pas de statut bleu, donc je me dis que si j'y monte au niveau 7, les niveaux 62 qui ont que des statuts de défense, voilà, Hammerman, ils ont pas d'intérêt dessus, ce serait pas cool. Alors, par curiosité, je vais quand même essayer une nouvelle laquelle on va prendre. Allez, on va prendre celle-ci, télécharger. Oui, je m'en fous du plan actuel. Je veux juste vérifier que tous mes bâtiments sont à disposition. Mon électrocanon est là. Hop, on est parti. On va voir ce que ça donne. Voilà, je n'insisterai pas s'il y a la deuxième attaque, ça ne passe pas. J'utiliserai à bon escient en prenant le temps de réfléchir calmement. Oh là 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 là, les barrages, ça m'attraque, c'est un truc de fou. Mais voilà, je verrai un petit peu plus calmement une fois avoir fini la vidéo si je peux le passer. Mais honnêtement, je pense pas. Voilà. Sans statut de défense, ou alors il me faudrait réfléchir pendant 50 ans quelle troupe arrive en premier, voilà, qui arrive en second, où placer mes mines. C'est vrai que c'est pas évident. Et puis oh là 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 là. Ah, puis les tanks font mal, hein. C'est extraordinaire. Pardon, excusez-moi, j'ai touché le micro. Voilà, là, mais mon super canon arrive pas à bout de ce vilain tank qui est juste devant. C'est affreux. C'est affreux. Alors, vous voyez que là, pour l'instant, je suis peut-être un petit peu mieux parti. Il a suffi que je répartisse différemment les mines, les bâtiments devant. Donc, on s'en sort peut-être un peu mieux. On va avancer en niveau 2. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il me manque un peu de puissance. Voilà. Et je languis d'ailleurs, pour pouvoir vous faire partager encore plus de niveaux de Hammerman, je languis de pouvoir attaquer mes prototypes de défense, donc mon labo, voilà, je l'ai réussi. Donc mon labo, et aussi pouvoir augmenter toutes mes défenses, quoi. Voilà, pouvoir augmenter dans Hammerman, parce que là, je pense que vraiment, sincèrement, ça va coincer. Oui, ça. Alors, 9 tanks niveau 9, 192 fusillés niveau 15. Bonjour les gars, je m'appelle Hammerman, j'arrive. Ça risque d'être compliqué. Alors là, déjà, le mec m'a bombardé d'artillerie, m'a fracassé presque 2 bâtiments. Voilà, donc là, déjà, typiquement, là, vraiment les troupes que je déteste. Donc voilà, ces grenadiers qui viennent, ces fourbes qui viennent attaquer derrière. Et vous virez toutes les mines que vous avez, vos pauvres mines. Oh là 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 là, oh le carnage. Là, et par contre, ça doit être super cool pour les mecs qui ont des statues et qui ont vraiment... qui sont ou mixés au niveau de leur base, donc pas trop attaque, pas trop défense, ou alors les mecs qui sont full défense, quoi, ils doivent se régaler. Mais c'est affreux, hein. C'est affreux. Oh là 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 là. C'est extraordinairement... Allez, ça lag pas quand même,
ça lag pas, c'est limite à mon avis. Vu le monde qu'il y a dessus, c'est limite. Oui, donc là, typiquement, je vais pas passer. Voilà, clairement, ça sert à rien que je leur fasse derrière, je ne passerai pas. Voilà, il faut savoir abandonner au bon moment. Je pense que pour moi, c'est le moment d'abandonner. Voilà, ouais, voilà, on va passer en x4. Allez, c'est la fin, voilà. Ça y est. Merci, bonsoir, Norman. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal, mais d'un côté, ça fait plaisir. N'oubliez pas de remettre votre base bien comme elle était avant, parce que sinon, vous risquez de prendre des rushs qui vont vous faire mal. Voilà, donc j'ai perdu quand même pas mal d'argent, mais par contre, vous pouvez noter qu'on a gagné énormément de pièces de prototype. Donc ça, c'est super. Voilà, donc on a fait le tour, je vous ai présenté un petit peu rapidement Hammerman. Certains youtubeurs iront certainement beaucoup plus loin que moi, et je l'espère. Mais voilà, moi, à mon niveau actuel, il est très compliqué de pouvoir, voilà, de pouvoir arriver à gérer les troupes d'Hammerman aussi facilement que certains. J'ai pas de statut. Et puis voilà, après, j'ai pas passé 50 ans à réfléchir dessus, mais là, voilà, ce niveau actuel où je me suis arrêté, je pense pas pouvoir le passer. Donc écoutez, je languis fortement de voir la semaine prochaine, j'aurai peut-être augmenté un petit peu 2-3 super canons, ou je sais pas moi, un canon, j'aurais peut-être monté mon labo, donc avoir une pièce de prototype, enfin, prototype de défense un peu plus costaud. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes arrêté, je vais arriver à parler, vous en êtes arrêté où, laissez-le dans les commentaires. Ma page Facebook, Boom Beach Arcade, n'hésitez pas à aller mettre un j'aime sur la page Facebook, sur YouTube, vous likez, vous mettez un pouce bleu, vous faites ce que vous voulez. Salut, c'était Arcane.